Tomé Sisley n'a pas froid aux yeux. Acteur connu et reconnu de tous, il aime réaliser ses propres cascades lors des tournages. Si est-il d'ailleurs le cas dans la série à succès de TF1, Balthazar. Seulement, comme il l'a confié dans les colonnes de Télé 7 jours, il cesse de faire très peur sur le tournage de la quatrième saison en réalisant un saut en parachute dans les falaises. J'ai vu la mort, ça cesse de jouer à 2 secondes, a-t-il ainsi raconté. Tu chutes à une vitesse de 50 mètres par seconde, moi j'ai ouvert mon parachute à 100 mètres du sol. Je ne testais pas mes limites. Si est-il un ensemble de trucs qui ne se sont pas très bien passés. Et je n'ai pas du tout kiffé ces 2 secondes. Nul doute que durant ces 2 secondes où le célèbre comédien a cru qu'il était mort, il a pensé à sa famille, Sandra, sa femme et ses enfants, nés d'un premier mariage. Liv est née en 2008 et Levin en 2011. Aujourd'hui, je suis un homme assez comblé, je vis avec la femme de ma vie et j'ai une famille formidable, avait-il encore expliqué. Après s'être rencontrés en 1999 et être une première fois tombés amoureux, les tourtereaux s'étaient séparés pour mieux se retrouver près de 20 ans plus tard. Tomé Sisley est heureux dans les bras de sa femme, Sandra. Il faudra 17 ans pour qu'on finisse par se retrouver, avait expliqué Tomé Sisley sur le podcast Les Éclaireuses. Je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis que je vis avec Sandra, à tous les niveaux. J'ai du mal aujourd'hui à concevoir mon métier sans Sandra à côté de moi, avait-il encore confié très heureux. Loading widget.